suis sûr de gagner. Ramène les roses. Vite, t'as intérêt à gagner là. Ouais, ouais, t'inquiète. Sinon, on va perdre notre maison. Mais je sais, mais je fais pas exprès. C'est un jeu de hasard. 4, 1, 2, 3, 4. Allez, à toi. Ça va pas suffire, regarde, il lui reste plus que 3 points. Regarde. Les amis, c'est une 4. Non. 6. Mais il a trop de chance. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh non. Il a gagné. J'ai gagné. C'est une catastrophe. À moi la maison. Oh non. Bon, écoutez. C'est à moi la maison. Bon, écoutez. Laissez-nous 5 minutes, d'accord? Pourquoi faire? Oui, bah. Pour partir? Non, on peut. Allez, partir. Oui. Vous avez 5 minutes pour partir. Laissez-nous 5 minutes pour partir. Allez. Oui. Allez, laissez-nous 5 minutes. Laissez-nous 5 minutes. 5 minutes. Merci beaucoup. Oui. C'est une catastrophe. Salut à tous les amis, on espère que vous allez bien. Nous là. Pas du tout, on va devoir partir de chez nous. On est dans le pire moment de notre vie. Ouais. En gros, on a accepté de jouer au jeu du pop-it. Regardez, c'est ce jeu là, avec 2 dés comme ça et un plateau de pop-it. Et en gros, bah, le monsieur là que vous venez de voir, avec une tête bizarre là, il est venu devant chez nous et il a dit est-ce que vous voulez jouer à un jeu avec moi? Et nous on a dit oui. Ah, parce qu'en plus on s'ennuyait, du coup on s'est dit bon allez. Mais c'est même pas ça, c'est qu'il a dit si vous gagnez, je vous donne tous ces pop-its là. Mais on pouvait pas refuser, regardez, il y a toute une collection de pop-its. Il y a un pop-it Among Us, un pop-it Avocado, etc. On pouvait pas refuser. Et le problème c'est qu'on lui a dit que s'il gagnait, bah... Il avait le droit d'avoir notre maison pour toujours. Voilà, si là il a gagné, du coup on va devoir lui donner notre maison dans 5 minutes. Ouais. Il faut qu'on trouve une solution. C'est pas possible, faut tout déménager là, regarde toutes les affaires, on peut pas. Non mais c'est surtout qu'il veut garder toutes les affaires de notre maison aussi. Mais non mais on va aller où nous? On a même pas de maison, enfin. Bon écoute, j'ai une idée, on va le rappeler et on va lui demander de faire une autre partie. Okay, imagine on repère. Bah, on n'a plus rien à perdre, on a déjà perdu notre maison. Bon attends, je remets le jeu à zéro. Oh, les amis, les règles du jeu, en fait, on doit faire aller le dé comme ça, voilà, pour qu'il fasse de la couleur. Et là, si vous faites 4, vous pouvez pop-iter 4 pop-it comme ça. Ouais. Et le but, c'est qu'il n'y ait plus aucun pop-it de disponible. Bon, enfin bref. Bon, écoutez. J'ai réfléchi un petit peu là. J'ai vu que tu avais 2 beaux petits chats. Je suis prêt à rejouer une partie en contrepartie. Ben, je gagne les chats aussi. Quoi? Attends, on refait. Attends. Si c'est nous qui gagnons, attends, on refait une partie. Et si tu gagnes, tu prends nos chats aussi. Aussi. Mais si je perds, vous récupérez tout. Et si tu perds, par contre, on peut récupérer notre maison, c'est ça? Bah oui, bien sûr. Attends, on va réfléchir 30 secondes. Mais je récupère les chats. Hein. Oui, on va. Je suis le roi du jeu des pop-its. On va réfléchir. Je vais gagner. Bon, écoute, Lily, remets le jeu à zéro là. Mais on va faire comment? Alors, on va remettre le jeu à zéro. On va redémarrer une partie, Lily Rose. C'est notre seule chance de garder notre maison. Mais comment tu veux faire? C'est un jeu de hasard, c'est les dés qui décident, c'est pas nous. Oui, c'est un jeu de hasard, mais justement... Juste d'avoir de la chance. Justement, on a autant de chance que lui de gagner. Ouais, mais bon, la chance est pas du tout avec nous. Oui, bah là, c'est vrai qu'on a perdu 3 parties d'affilée, parce qu'il devait gagner 3 parties pour gagner notre maison. Et on a perdu 3 fois d'affilée, et ça tombe, il triche. Comment tu veux qu'il triche? C'est impossible. Bah, je sais pas, moi. Bon, écoute, voilà, le jeu est remis à zéro. Ouais. Voilà, comme ça, il n'y a pas de triche. Enfin, peut-être qu'il a une technique pour trafiquer les dés. Surtout que c'est lui qui a ramené le jeu. Enfin, bref. Bon, je vais l'appeler. Et, Lily Rose, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis ma manche dans la peinture. T'as mis ton pull dans la peinture. Non, mais on va se retrouver sans maison et avec des vêtements sales, ça tombe. Cette catastrophe, parce que Lily Rose est en train de faire des projets d'art plastique, là. Enfin bref, bon. Ah voilà, on a réfléchi. Ah, j'espère que ma technique de triche va encore marcher. Ah oui. Comment ça, votre technique de triche? Non, je parlais tout seul. J'espère que vous trichez pas, hein. Non, ne t'inquiète pas, je ne triche jamais, moi. Ouais. Bon, écoutez, voilà. C'est Lily Rose qui va jouer cette partie contre vous. Oui, comme d'habitude, je vais gagner. Bon. Alors, si vous gagnez, vous gagnez nos chats. Et la maison, bien sûr. Oui. Mais par contre, si on gagne, vous repartez sans rien. Marché conclu. Allez, serrez-vous la main. Bon, allez, Lily Rose, à toi de commencer. Non, c'est moi qui dois. Non, c'est moi. C'est moi qui dois commencer. Non, c'est moi. Mais la dernière fois, c'est toi qui as commencé. Oh, non, c'est à moi. Allez, vas-y. Allez, 3, 2, 1. Avec les 2 dés, Lily Rose. Ah, ok. Bah oui. Mais si tu n'utilises qu'un seul dé, t'as fait 4. Oh là là, c'est nul. 1, 2, 3, 4.
à moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, fais 1 ou 2 ou 3. 12. Quoi? Ma technique, elle marche. Mais c'est une blague. Comment il a pu faire 12? Ma technique, elle marche. Non, j'en ai marre. Mais... Attendez, je dois aller aux toilettes. Je prends le jeu avec moi pour. Bon, dépêche-toi. Oui, oui, je dois aller aux toilettes. Liros, viens avec moi. Ouais. Oui, restez ici, on continue la partie juste après. Vous aviez fait 12, hein, d'accord? On triche pas, on triche pas. Ferme la porte, ferme la porte. Attendez, les amis, on va se mettre là. Liros, je suis sûr qu'il triche. Je suis. C'est sûr, t'as je... Non, mais... il est trop bizarre, il voulait absolument quand commencer en premier. Quand je l'ai récupéré là devant la porte, je l'ai entendu dire, ils ne connaîtront pas ma technique de triche. C'est sûr qu'il triche. Il doit y avoir un truc dans les dés. C'est bon, c'est pas non, mais... un vrai jeu là. Les dés, arrête de jouer avec les amis, les dés, c'est lui qui les a ramenés, comme le jeu. Donc à mon avis, il savait qu'il allait gagner. C'était sûr. À mon avis, il y a un truc. Écoutez. Je sais pas si vous entendez. Il y a un truc dedans. Il y a un truc dans les dés. C'est des dés magiques ou quoi? Ça tombe, il y a une télécommande dans sa poche qui permet de contrôler les dés. Oh. Attends, et si on lui demandait de changer les dés? Si on change les dés. Ouais, bonne idée. Attends, vite. Vas-y, va dans la chambre. Dis-lui que. Vas-y, dis-lui que je vais chercher quelque chose. Les amis, je vais aller chercher d'autres dés. Et normalement, comme ça, on gagnera la partie. Enfin, on gagnera la partie. Au moins, on a peut-être une chance de récupérer notre maison. Alors, des dés. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Regardez ce que j'ai trouvé. Des dés. Et voilà, et ceux-là, ils sont tout à fait normaux. Normalement, il n'y a pas de triche possible avec ça. Et on verra bien qui c'est le meilleur. Ah, monsieur le bizarre, là. Allez, on commence. Stop, je vous arrête tout de suite. On va changer de dés. On va changer les dés parce que... Non, regarde, j'en si... fais 12. Non, c'est de la triche. On sait très bien que tu triches, donc on va changer les dés. Peut-être qu'il ne triche pas, mais pourquoi ne pas jouer avec ces dés-là? Oh, ils sont mieux, les miens. Non, j'ai encore fait 12. Oui, mais en fait, la lumière de ces dés-là me dérange, ça me fait mal aux yeux. On devrait jouer avec ces dés-là. Bon, allez, allez, votre tour. Allez, on y va. Bon. Allez. Hop là. Oh non. Deux. Alors, un. On est nul. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Non, rien. D'un coup, on fait plus des doubles 6, on fait plus 12. Allez, d'un coup, qu'est-ce qui... Mais pourquoi vous partez comme ça? Non. Mais pourquoi pis. Non, mais restez là. Je vous laisse. Et on faut terminer la partie. Ah bah, vous nous laissez les pop-its? Oui, bah, oh, ils nous laissent les pop-its. Oh là là, la France. C'est pas possible. Dis donc. Bah, ils trichaient, j'en étais sûr. Bon, les amis, on l'a démasqué, tant mieux. Bon, par contre, Lily Rose, maintenant qu'on est plus qu'à deux, on ferait pas une partie? Et si tu perds, tu me donnes ta chambre. Quoi? Oui. Pff, non, j'accepte même pas. Et si je perds, je te donne... deux pop-its. Allez, on joue? Non. Allez. Non. Ah, il a même laissé ses dés. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on pourra faire des parties avec d'autres personnes et tricher aussi. Bonne idée. Bon, les amis, on va peut-être se faire une petite partie, mais cette fois on va rien parier. Hein, voilà, on va juste jouer pour le fun. On espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous le voyez devant chez vous et qu'il vous propose une partie, abonnez-vous. Mais non. N'acceptez pas. Et abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur une vidéo qui apparaît sur votre écran. À la prochaine. Ciao.